Voilà, aujourd'hui j'aimerais parler de la magie du binôme. Je ne sais pas si tu connais, tu sais ce que c'est un binôme, si toi-même tu as déjà été dans des programmes, tu as suivi des programmes online, mais beaucoup de programmes online utilisent ces techniques et je la recommande vivement. Ici j'en parle sur ma page Chandora parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment d'intérêt général, aussi bien dans les cours online que quelque part dans une salle. Et naturellement, nous les femmes, on le fait déjà, en fait, parfois quand on veut aller dans une salle fitness ou un truc, on a remarqué que quand on est à deux, quand on a une amie, une collègue, quelqu'un qui vient avec, bah, c'est plus facile. Donc la magie du binôme, c'est ça, et ça marche aussi virtuellement. Si tu suis à un cours online, n'importe quel cours que ce soit, ce que je te recommande, c'est de te chercher un binôme, de chercher quelqu'un qui fait la même chose que toi et vous vous motivez mutuellement. Donc, dans les cours online, bien spécifiquement, parce que moi, je parle ce mois-ci beaucoup de ce business online que je me suis créé et que je me crée encore, cette technique-là fait en sorte que j'ai maintenant, puisque j'ai suivi pas mal de formations comme ça online, j'ai pas mal d'amis comme ça maintenant, et chaque fois, on reste dans cette énergie du cours. Donc, si j'ai fait, imaginons, un cours comme ici avec Sigrun pour apprendre à faire un business online, ben là, dans ce groupe, j'ai deux binômes. Une fille qui est en Irlande, qui est professeure de Qigong et qui veut se mettre aussi veut quitter son travail l'année prochaine. Et l'autre, elle est professeure de yoga et elle passe la moitié, elle fait des cours de danse libre, quelque chose de ce genre, enfin c'est en allemand. Et elle passe la moitié de sa vie en Inde. Et donc, avec elle, une fois par semaine, on vient ensemble sur WhatsApp, pas à trois, c'est chacune. Et on parle des challenges qu'on voit, où est-ce que tu en es avec ton business, qu'est-ce que tu fais. Et puis, ça devient quand même privé de temps en temps. Donc, et au fur et à mesure qu'on a un contact comme ça chaque semaine avec une personne comme ça devient vraiment des amis. Et c'est enrichissant, mais à un tel point que c'est vraiment super, super, super. Et pourquoi c'est tellement efficace? C'est parce que si toi, tu fais un cours ou tu veux apprendre quelque chose, que ce soit que tu ailles à une salle ou que ce soit online, hein, la dynamique est quelque part pareille. Tu peux encore te mentir à toi, tu peux tricher avec toi-même, ouais, tu peux te faire un tas de choses comme ça qui sont en fait pas bons, mais tu peux te trouver des excuses. Hein. Mais si tu dois trouver des excuses, tricher, etc., et tu dois te présenter en face de quelqu'un, ça passe un peu moins bien, n'est-ce pas? Donc, c'est un partenaire de responsabilité quelque part. Et ce qu'on fait avec un binôme, on se fixe au début de la semaine idéalement un but. Et à la fin de la semaine, on essaye d'atteindre le but. Donc, on s'engage quelque part vis-à-vis de ce binôme. Et c'est ça qui est la magie. La magie est évidemment qu'après, ça devient des vrais amis. Donc, si tu fais un cours, je te recommande de te chercher un binôme. Le minimum, être à deux. Et vous vous motivez mutuellement. Si un jour, tu es fatigué, tu vas rien que, peut-être parce que tu veux ne pas décevoir l'autre, faire plaisir à l'autre, quand même y aller. Et voilà, cette dynamique-là, elle est juste génial. Donc ça, c'est mon conseil pour aujourd'hui. Si tu veux, ça m'intéresse. Est-ce que toi, tu fais ça? Est-ce que quand tu vas quelque part pour apprendre quelque chose, tu vas toujours à deux, tu cherches quelqu'un, ou bien une fois que tu es dans ce cours, imaginons que tu as un cours dans une classe, ça peut être n'importe, est-ce que tu vas tout de suite chercher quelqu'un avec qui tu sens qu'il y a une bonne énergie qui passe et alors commencer à travailler en équipe quelque part? Est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu restes dans ton coin et tu te dis j'y arrive tout seul par une sorte de fausse fierté ou parce que ou bien une timidité, ouais, on peut avoir tout ça. Donc si tu as cette timidité, dis-toi que si tu arrives à la dépasser et contacter quelqu'un, tu lui fais une faveur à cette personne de proposer d'être binôme avec cette personne. Parce que peut-être qu'elle est timide aussi ou peut-être qu'elle croit que personne voudra faire ça avec elle. Ouais, donc voilà, ça je te le recommande, je te souhaite bonne aventure avec ça et bonne chance avec ça
et plein de nouvelles amies dans tous les programmes et toutes les choses que tu vas apprendre dans ta vie. Donc, mets-moi un petit commentaire ici en dessous, ça me ferait trop plaisir de voir si tu appliques ça déjà tout naturellement ou si tu trouves l'idée très bonne et que tu vas dorénavant appliquer ça. Dès que tu vas en cours, hop, tu cherches quelqu'un et vous y allez à deux. Ok, très très chouette ça, bonne journée.